Pouf YouTube, bienvenue à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode en CRS, on est Ricardo. Bienvenue Ricardo. Alors du coup il faisait quoi? Il forme son collègue. Ok, parfait. On a Ricardo avec nous, derrière on a le beau, le magnifique Vivi. On peut y aller du coup. Donc on est, comme vous l'avez vu, en CRS. On redescend sur Union, soit on va à droite, on remonte jusqu'à la mosquée. Bon vas-y, on va remonter jusqu'à la mosquée. Et du coup, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de refaire un petit roleplay CRS autoroute. C'était ce qu'on faisait sur Metropolis à l'époque, pour ceux qui étaient là à l'époque, bah vous en souvenez sûrement. Pensez à lesquels épisodes. Et comme vous l'avez vu, derrière on a le petit Vivi avec le gros van. On vient de faire une course-poursuite, l'épisode est dispo sur YouTube quand on sortira cet épisode. Et Ricardo est tout nouveau flic, il a jamais game en CRS. Du coup, comme j'étais là et tout seul, je lui dis bah écoute, viens un petit peu, ça te changera de police secours. Alors, jusqu'à la mosquée, on a dit. Alors, du coup, qu'est-ce que tu penses de CRS, vu que c'est la première fois que tu patrouilles en CRS? Oscar de session. Ouais, je vois ce que c'est quand même. Hein. Oui. Très loin, mais... Bah, j'espère. Ouais, après, on n'a pas fait de gros contrôle non plus. Donc... Avant. Non. Non, puis on fera. Enfin, avec moi, en tout cas, la soirée, tu feras pas de barrage, parce qu'après, je devrais rentrer à ma maison. Mais sinon, tu verras plus tard ou une autre fois ce que ça donne. Non, mais vu les contrôles, on les voit. Enfin, après. Les contrôles, c'est marrant parce qu'en CRS, tu peux faire du total. Ouais, donc tu peux contrôler absolument tout ce que tu croises. Partout, ouais, je sais, partout. Ouais. Tout ce que tu contrôles. Et comme tu peux le voir, ce qui est plutôt sympa. Faut que j'ai une raison, je crois. Faut que j'ai une raison quand même. Bah, CRS, quand t'es en fixe, non, tu peux tout contrôler. En fait. Faut que tu sois statique. Ouais, faut que tu sois statique. Et comme tu peux le voir, et ça, c'est un truc qui a été ajouté il y a peu de temps. Maintenant, on n'a plus la vitesse, mais on a la plaque. Comme ça, tu sais, si tu veux faire un contrôle vitesse, tu dois descendre. Ça évite les... Tu sais, t'as peut-être déjà entendu cette touche quand tu patrouilles en police. Oui. Les flics... On l'a déjà tous fait. Hein. Ah, moi, je fais pas. Ah ouais? Ah non, je m'amuse pas à flasher toutes les voitures qui passent. Parce que... Ça dépend. Il y en a certains, ils étaient très amoureux. Ouais, et c'était vraiment... Radar. Radar, c'est ça. C'était. Mais justement, je trouve que c'est bien parce que les gens, dès qu'ils croisent un véhicule de police, ils ralentissent. Et maintenant, quand ils passent à côté de nous, ils passent à 200. On est obligé de descendre du véhicule, prendre une vitesse. Et bah non, ou ça, tu fais une conduite dangereuse. Ouais, une conduite dangereuse. Mais moi, la plupart du temps, quand je les vois passer vite, j'essaie de prendre une plaque et une vitesse avant quand même. Quoi. Ah bah, bref, tu fais comme tu veux, mais t'as toujours moyen d'avoir 20 000 solutions ouais, en fait. Ouais, mais la plupart du temps, ceux qui font ça, ils partent. Petite autoroute des familles. Parce que ouais, si tu dois t'arrêter pour sortir tes jumelles et tout, t'as pas fini. Alors que tu peux faire une conduite rapide et souvent, comme tu dis, les gens qui roulent vite, ils ont tendance à être un coup à gauche, un coup à droite, un coup sur le côté, etc. Du coup, t'as moyen de faire les trucs sympas. Quand ça m'arrive, c'est quand je suis tout seul avec le petit Dacia Duster, donc... Ah, c'est galère pour les rattraper. Ça part en refus d'up, quoi. Et l'intérêt aussi des secondaires, hein, c'est que au moins, le mec, par exemple, qui a 60 au lieu de 50 en ville, eh ben, tu le vois pas. Du coup, ça laisse un peu plus de liberté parce que bon, sur Arma, être plafonné à 50, des fois, c'est assez galère. Alors, du coup, des fois, t'es à 60 en ville. Bah, avant, les flics, ils faisaient « Oh, 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 oh !» et boum, ils te flashaient direct. Maintenant, il faut qu'ils soient postés. Bon, ils te voient de suite aussi, mais c'est un peu plus tranquillou. Petit Mini Cooper, comme tu peux le voir. Ah, mais ça va, j'ai réussi à rattraper hier une F40 en... Avec le Duster. Ouais, c'est pas mal, celle de droite. Pas mal. Attends, celle de droite. Ah ouais, déplace en droite. Oh putain, ouais. Vous êtes sur la 80. Vas-y, go. Oh putain, c'est dangereux. Ah. Vas-y, go, on chasse. Hein, dis aux collègues qu'on prend. Oh putain. Eh ben, c'est pas le même mec qui est cinqué. Non, c'est pas le même. Si. Je regarde. Ouais, bon. Vas-y, dis-lui de mettre le barrage. Et Viper pour David. Oh! Dommage pour lui. Viper pour David. Ma voiture. Attendez, on va devoir baliser, mesdames et messieurs. Ah putain, il me dit, il est même pas sur la fréquence. Avec mesdames et messieurs. Les unités médicales sur nous, donc il faudra pas sortir, je crois. Je passe une barrière. Attends, je vais signaler. À la bien giclée sa bagnole. À gauche. À l'aéroport de Jamestown, il y a plusieurs individus qui tenteraient de voler des véhicules, s'il vous plaît. En avant. Monsieur. Ouais, monsieur, vous êtes blessé ou pas? Ça va. Mettez-vous sur le côté si vous avez un gilet jaune, mettez un gilet jaune, s'il vous plaît. Au milieu de la route,
Ouais, monsieur, vous... Allez-y. J'ai vu, mais j'étais... Monsieur, j'étais derrière vous, j'ai vu. J'étais dans ma voiture, gilet jaune. Prise de service, ah. Capitaine Lorque, en attendant un dispatch. Bah écoutez, on vous embêtera pas avec le gilet jaune, mettez-vous près de l'arbre, comme ça on sait où vous êtes, le temps qu'on balise. Merci, monsieur. Ah, pas de chance... Pas de chance pour sa mini à lui, par contre. Ouais. Un Viper ? C'était pas la Renault 5 qu'on avait vue au début ? Cible. Si, c'était la première, ouais, c'était celle-là. C'était elle, c'était celle qui était au début. Ouais. Ok, qui a fait demi-tour et qui nous a suivis. Ok, ça marche. Bah, ça change deal. Mon autorisation d'appeler Godis pour 2 AVP. Non, ça sert à rien pour lui, ça sert à rien, il a changé deal. Il nous croise, il fait demi-tour, il double à côté d'un véhicule de police sur la droite. Pfft, changement de directement. Inintéressant. Ouais. Bah ouais, mais mec, c'était celui du début qui désinquait. Ouais. Tu doubles pas, 2 véhicules de CRS sur la droite. C'est quoi l'intérêt? Enfin, course poursuite. Et en plus, ouais, tu désinques. Ah, ouais, j'ai vu. Ok. Inintéressant, ça vire. C'est nul à chier à jouer en plus. Ouais. Ça filtre, exactement, ça filtre. Ça sert à rien de... Enfin, tu vois 2 véhicules de police, tu doubles sur la droite. Ouais, je note qu'il y a un léger souci. Et en plus, c'est le gars qu'on avait vu d'avant, vu qu'il désinquait déjà pas mal. Tu sais quoi, on va les baliser là-bas. Donc en soi, inintéressant. Allez, go, filtre. Bah, monsieur, pour votre voiture, restez assis, on verra ce qu'on peut faire. Vous êtes sûr, vous êtes pas blessé? Négatif. Ça marche. Bon, vous avez vraiment pas eu de chance. Et votre voiture est accidentée ou pas? Pas négatif, je venais juste de l'acheter. En effet, c'est vraiment le pas de chance. Le pire, c'est pour lui. Le mec, il vient d'acheter une voiture et il se fait chier avec un joueur qui a rien à foutre ici parce qu'il joue n'importe comment. Bon, parfait, la bagnole est plus là. Donc comme ça, mesdames et messieurs, emballé, c'est pesé, filtre à café. Et c'est ce même joueur qui va pleurer sur TS parce qu'il s'est fait perm. Mais le mec, il double sur la droite 2 véhicules de CRS alors qu'on roulait tranquillou. Hein. Donc le mec aurait pu faire comme la Mini Cooper, vous l'avez vu. Et c'est le même mec qu'on avait vu en début d'épisode où j'avais dit, oh lui, il désinque un peu, on va le laisser passer. Ouais, vas-y, parfait. Tu veux qu'on fasse un truc coordonné après ou... Moi, après, je rentre chez moi, je vais aller manger. Mais sinon, tu peux faire un truc coordonné après avec le gardien, s'il reste. À toi de voir si tu veux une unité en plus. Ça marche, je verrai ça après. Toi qui vois après avec lui, moi, après, je vais manger Viper. Ouais, ce sera pour une prochaine fois, tu vois, un petit peu de picombière. Amère-bière. Un peu de... Ah, c'est un flic. Un peu de picombière après, tu vois. On va se mettre... On va se mettre bien, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Petit piquant. Bon, pour ceux qui se demandent, c'est une explosion qui aura plus lieu. Hein. Il y a eu du filtre à café. Et lui, il a eu du bol aussi. Je sais pas si t'as vu celui qui est là-bas. Ouais. Ça a fait un évitement, revitement. Et le pauvre mec, là, il s'est fait cartonner sa Mini Cooper. Il a eu chaud. Oui. Il a eu grave chaud. Ça, c'est du beau balisage, ça. On dirait un animal dans une cage, dans un zoo. Et ça, personne ne rentre. Attention, méchant. Bah écoute, Viper, merci pour cette course-poursuite. Et tu sais que je l'avais pas vu en plus, hein. C'est toi qui m'as dit, regarde sur ta droite. Et je pense que personne ne s'y attendait. Enfin, deux véhicules de police qui se suivent pour le faire. Et du coup, tu regardes à droite, tu fais... Oh putain. Ah oui, en effet, il y a un mec qui double sur la droite, d'accord. Il y en avait un déjà sur la gauche. Bon, lui, je me suis dit, vu la vitesse, c'est normal. Hein, ouais, après, on roulait pépère et tout, c'est pour ça. Enfin, le but, c'était... Ouais, il avait le droit de nous doubler, on n'était pas à 130. Hein, ouais. Et l'autre, à droite, coup. Tranquillou. Le but, c'était de rouler pépère ou tranquillou, tu vois. On va pouvoir aller dans tous les cas, il n'y a pas de... Lui, il va rester là, du coup, j'ai balisé son corps et on va pas retirer puis ouvrir. Ok, bah je vous laisse aller avec le commissaire, moi je vais chercher mon collègue. Vas-y, ça marche, à tout à l'heure Viper. Tu fais quoi, on se retrouve sur l'autoroute après ou sur le pont, on patrouille ou toi tu te mets en statique? Qu'est-ce que tu veux faire après? Moi je me mets en statique, je vais mettre un petit statique vite fait. Vas-y, bah, on viendra regarder ce que tu fais, mais moi j'en profiterai pour patrouiller un petit peu. Ah, allez, aider les... De toute façon, je t'appelle sur la freebie. Okay. Vas-y. Comment on se met en double écoute déjà? Attends, je vais regarder sinon. Tu ouvres ta radio. Ouais. Sur le canal que tu veux mettre en supplémentaire. Ouais. Ah ouais, je mets 7 supplémentaires. 7. Ok. Et à ok. Dans les vas-y, ça marche, parfait. Bah écoute, à tout à l'heure, Viper. Ouais,
marche, prends soin de toi. Toi aussi, fais attention aux piquons. Merci, je vais faire gaffe aux piquons. Bon allez viens, c'est bon, t'as fini? Ouais, tranquille. Bah voilà, l'étape 1, il s'est échappé du zoo, fallait le mettre en cage, comme ça c'est fait. Vas-y, ah, viens, on est reparti. Ah merde, attends, il y a lui aussi. Oh. Monsieur, vous avez eu du bol, j'allais vous oublier. Ah bah, j'ai moitié. Ouais. Vous allez bien au moins? Ah bah, ouais, normalement, normalement, monsieur va bien. Alors, il n'y a pas de taxi pour vous ramener. Appelle la sécurité, au pire. Ah ouais, la sécu, c'est une bonne idée, tiens. Appelle la sécu. En plus, c'était ma seule voiture, j'allais à l'aéroport. Et qu'est-ce que vous alliez faire à l'aéroport? Ah bah, j'allais avec un ami qui a un avion. L'agent de sécurité, la police. Ah bah, à mon avis, vous allez pouvoir prévenir votre ami qu'il faudra peut-être déco... Ou à moins qu'il se pose sur la plage. C'est votre avis là en avion? C'est votre ami? Il est tout seul au bord de la route. Ouais, c'est lui qui va se poser. D'accord. Ouais, je vous aurais bien dit, on peut fermer le pont, votre ami se pose sur le pont, vous décollez, mais on ne le fera pas. Pour atterrir avec les arceaux, ça va être dur. Ah, il a déjà essayé? Je vous laisse sur place. On va dire qu'un atterrissage d'urgence, on va dire. D'accord. Il y a eu un petit problème sur le porte-avions. Ah, et du coup, vous avez tenté d'atterrir sur le pont? Son avion était tout en rouge. Tout en rouge. Ah. Elle atterrir au plus vite, il y avait les sapeurs-pompiers, tout ça qui était prévenu. Ouais, bah écoutez, pas de chance. Bon bah, t'as prévenu les agents de sécu? Ouais, ils arrivent, on peut laisser le monsieur attendre les agents parfait. De sécu. Parfait, bah après monsieur a pas de gilet jaune, mais en soi, bon, on va dire que... Va, voilà. Bon, vous restez là, vous mettez pas en danger. Ouais. Et puis, bon courage. Merci, au revoir. De rien, au revoir. Alors en avant. En avant, collègue. Le retour à... Si c'est pas la mort qui passera, ça sera les corbeaux qui viendront le manger. Hein. Le retour, carrément, on va replier. Alors attends, on fait ça. Affirmatif, on fait ça. On fait ça. On peut faire demi-tour sans risque là. Tu sais, une fois, j'ai fait demi-tour. Oh. Tu sais, ouais, exactement. C'était super calme, il y avait personne. Je me dis, vas-y, je fais demi-tour. Je fais demi-tour, une bagnole qui arrive à fond de balle. Mauvaise idée. C'est-à-dire que j'avais rien à foutre ici, et l'autre il roulait tellement vite qu'il avait rien à foutre ici, donc on était tous les deux en tort. Et du coup, bah voilà. Merci, au revoir, fin du game. Ah, quoi que ça. On voit le monsieur qui a atterri en sens inverse, du coup. Ouais. Peut-être se manger en avion. Le mec en avion là? Ouais, il a atterri dans le mauvais sens, tout le monde décolle dans l'autre sens. Ah, peut-être que... Il y a peut-être un avion qui est à faire... Peut-être qu'il est pas au courant. Bon, l'arbre là, on va pas le mapper, parce que si on mappe l'arbre, on va rajouter du danger. Je sais pas si t'es au courant des arbres maudits. Ah oui, il y en a partout. Ouais. C'est-à-dire que... Ah, Vanderville, c'est le pire. Faut que je le signale. Si bah ouais, parce que je les coupe au fur et à mesure, les arbres gênants, normalement. Ouais, bah je vais le signale, parce que carrément. Tous les matins, je le vois... Je me le paye à chaque fois. Ouais, carrément. Parce que je peux les supprimer en fait. Donc. Ouais, bah je vais le signaler sur le. Les arbres. Enfin, je peux soit les supprimer, soit mettre un pot de fleurs ou tu sais, un truc joli histoire qu'on puisse plus les casser. Ouais. Bon, ça dépend. Fait un bizarre, un pot de fleurs en plein milieu de la route. Non, mais tu vois, une sorte de rond-point. Ou toi, s'il est au milieu de la route, je le dégage par contre. Mais s'il est un peu trop près et que c'est pas trop gênant, tu vois, et que ça fait joli, je peux mettre une base un peu plus solide, comme ça, il peut plus tomber. Ouais. Et du coup, ça évite de l'avoir au milieu de la route, quoi. Ceux de... Quand il y avait les auto-écoles au début, là. Ceux sur la 2x2 qui se couchaient sur la 2x2, c'était les pires. Et là, c'est fini. Tu vois plus rien. Mais en soi, vaut mieux laisser l'arbre et rien mapper. Parce que si tu mappes, t'as une chance sur deux pour déjà bah, que le mec, il voit pas que t'es mappé. Et après, il se rebouffe un autre arbre ou autre. Et en soi, bon, les arbres, ça fait... Enfin, on a du bol, ça fait pas plus de dégâts que ça. Donc c'est le truc assez stylé. Mais ouais, il y en a qui sont assez près. Ouais, bah écoute, je pensais que tu me guidais. On va pouvoir faire demi-tour du coup. Ouais, bah là on allait voir, ouais, on peut faire demi-tour. Bon, on fait un petit tour par ici, c'est souvent... Vas-y. En plus, je suis jamais venu ici. Ah, c'est l'occasion de faire un tour ici du coup. Carrément, on a un petit parking privé, un bar. Les braquages, ils sont très fréquents. Ici ? SFR, ouais. SFR, Lakeside, ici, c'est bien fréquent. Okay. Et Union, Vanderville, Lakeside. Ouais. Et puis aussi Watergate. T'as dit tous les SFR de la carte. Non. Voici. Ouais. Bah, des SFR, en fait, il n'y en a pas un par ville. Il y en a un toutes les deux ou trois villes. Ouais, c'est vrai. Bah, il y a celui-ci qui est très prisé. Au moins, ça veut dire que les alarmes fonctionnent bien, tu vois. Ah oui. Bon, elles se bloquent souvent, mais c'est pas grave. Ça, c'était déjà d'avant, ça. Ouais. Petites alarmes qui sont un petit peu difficiles. Attends, on va voir comment on peut faire pour partir. On est là.
Ouais, bah vas-y, on reprend la route qu'on vient de prendre du coup. Ouais, vas-y. Parce que là, le pont il est fermé donc ça. Vas-y. Tu penses qu'on va croiser. Ah non, j'étais en train de me dire, tu penses qu'on va croiser un avion qui va atterrir? Brûlez-le, stop là. Ouais, j'avoue. Mais en fait, je l'ai pas vu le stop. Tu sais que les panneaux là, tu peux les détruire. Et là, sur le coup, j'étais en train de me concentrer et. Disparu. J'espère que la police, ça va rien dire. Ils sont malins, hein. Oui, il est casse. Il peut plus être compte. Ouais, en fait, il est casse parce qu'il sait très bien que s'il est plus là, on a plus le droit de le prendre en compte. Bon, après, je fais jamais les stops, hein, personnellement. Enfin, je quand j'arrête pas les mecs pour les stops. Il y a tellement moyen oui, de Sébastien, faire. Je vais vous demander de vous rendre sur le repère sécu de police LAVP où vous étiez tout à l'heure. Apparemment, il y a une de vos barrières qui aurait volé et fini en traversant la route. Donc, Vincent, voilà pourquoi je balise pas non plus les arbres. Vas-y collègue, tu peux délai tes barrières. C'est reçu, on va voir ça. Merci Vincent, ça fait plaisir. Merci à vous. C'est 12 mois, 1 an, ça fait plaisir. Merci. Il faut que tu délaies tes barrières. Ouais, c'est bon, ça fait. Donc mesdames et messieurs, c'est exactement pour ça que je ne balise pas les arbres. Vas-y, parfait. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Attends, rien du tout. Ouais, j'ai mis en secondaire. Est-ce que j'ai deux barrières? Ouais, c'est fait, c'est fait. Ok, c'est bien, on arrive. Quand Viper parle en même temps que c'est. J'ai l'impression d'être dans une réunion là, mais tout le monde parle en même temps. C'est compliqué. Ouais, c'est pour ça que je te disais que les arbres je les balise pas, parce que raison de plus aussi, c'est si jamais tes barrières elles volent ou autre, au final tes barrières sont plus gênantes que l'arbre lui-même, tu sais. Ah ouais, non, mais non, on balise pas les arbres. Du coup, bon après, si dire bah, BTP, limite, ils veulent s'amuser. Ouais, à la limite, pourquoi pas pour eux, tu vois. Vu qu'au moins, c'est sûr qu'il n'y a pas de. Bah, c'est ce qu'on avait fait une fois. Et après, faut pas non plus abuser sur les barrières. Y a pas d'accident en plus, mais sinon, vu que nous on a des vraies barrières bien dures, bien solides. Suite à fin d'intervention, Cécilien reprend Patrouille sur la route. Ok, Cécilien qui repart. Ouais, bien reçu pour Patrouille. Bon, ici c'est calme. Est-ce que vous auriez un modèle de. Oh, c'est quoi ça? Plutôt accidenté. Pour quel motif, Oscar? Roule sur la route. Votre véhicule de service, puisqu'il est pas sur le dock. C'est une Yamaha G1300. Ok, c'est suivi, merci. Et voir ce qui se passe. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous étiez en train de rouler avec votre véhicule accidenté sur la route? Oui. Mais je faisais une roue en fait, c'était parce que la roue avant elle est percée, vous voyez, ça fonctionne mieux normalement. Alors, j'ai pas vu la roue, donc je vais pas vous relever la roue. Mais okay. Vous allez devoir appeler les dépanneurs et laisser votre véhicule ici. C'est fait, j'ai dit que j'étais à la station d'essence, bah... Ah bah vous allez... Ça. Ah oui, carrément, c'est ce que je vais vous dire. Vous n'êtes pas à la station, vous êtes ici, du coup. Vous avez un permis de conduire à me présenter, s'il vous plaît? Oui. Vas-y. Tac. J'ai pas vu votre permis, hein. Voilà. Très bien, ouais. Vous avez bien le permis moto. Marco Catem, sexe masculin. Et c'est votre moto? Oui, c'est la mienne, vous pouvez voir si vous voulez. Bon, écoutez, avec plaisir, monsieur, on va vérifier tout ça. Ah, attendez, je crois qu'il y a un souci, donc justement, j'ai regardé. Il y a un problème, là. C'est juste 2 secondes au dépanneur. Ah ouais, en effet, on voit plus le... Ouais, on a un souci, là, c'est... Ouais. C'est... Non, il y a un souci avec la... Les dépanneurs, c'est juste pour vous. La préfecture. Attends, comment ça se fait que j'entends les dépanneurs, là? Ouais non, en fait il y a un souci avec la préfecture, mais vous monsieur ça vous concerne pas. Bah écoutez, vous attendez les dépanneurs, vous avez un gilet jaune ou pas? Oui. Bah, allez-y, je veux bien le voir. Et un petit triangle peut-être. Ah bah écoutez Ça vous permettra de le mettre sur la route. Bah carrément. Il est là, mets-le. Ne mettez pas dans notre camion, parfait. Donc du coup, monsieur, la prochaine fois que vous êtes accidenté, vous mettez sur le côté, si possible, en warning, comme vous venez de le faire, un gilet jaune, vous mettez le triangle, et vous attendez qu'un dépanneur vienne sur vous, ça marche? Ok. Parfait, je vous remercie. Merci. Allez, petite prévention, hein, vous avez vu, okay. Sinon, bon, on aurait pu être un peu plus embêtant. Bon, ça marche, bon, je vous laisse, bonne journée. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonjour. Allez, hop. Bonjour, c'est moi, et puis, on avance. On l'a attrapé, collègue. On l'a attrapé. La prévention avant la répression. Bah ouais, bah en soi il s'est arrêté. Après c'est pareil, il serait parti en délit de fuite. Enfin en refus d'obtempérer. Le mec a une roue cassée. C'est dommage. Enfin tu vois, c'est bête.
C'est bête. Non, il n'y a pas eu d'amende là, mesdames et messieurs. Là, c'était gentil. C'était gentil. Et en plus, il avait tout. Par contre, si jamais il avait pas eu son... Comment dire ? Ou alors... Si jamais... Ou alors ouais. Qu'il n'était pas... possesseur du permis ou autre, là, ça... ou il aurait eu son... Ouais, ou si par exemple, ce serait mis à rigoler, ou je sais pas quoi, ou alors, entre guillemets, de commencer à nous parler mal. Ou à se moquer. Attends. Voilà, ah ouais, non, c'est bon, c'était coupé. Ouais. Mais là, c'était cool, c'était sympa. Ah, c'est ici que c'est... Attends, qu'est-ce qu'ils font ici ? Et pourquoi il m'a demandé d'enlever mes barrières alors qu'il y a encore le Parce corps, qu'ils font leur... Parce que le corps, tu t'en fous. Ah. Ah, okay. Allez, parfait. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. Le collègue Viper qui fait son petit barrage. On a avec les noms sur les plaques. Oui, mais ça c'est pas grave, les devs ils sont au courant. Justement, c'est depuis qu'ils ont fait la mise à jour. C'est depuis pas longtemps, parce que avant. Ça a claqué. Ça je sais, c'est depuis la okay. mise à jour. Tu sais quoi, on va là à droite. Non, si à 20h. En fait, ils ont. Non, la Majadan, ce sera ce soir. Ouais, c'est pour ça, c'est important de lire les news. Sur ouais, TS, ils l'ont dit. Ok, bah j'étais pas là en fait, parce que j'ai eu un souci. J'ai mis à jour mes pilotes alors. Tire à lire forum, il y a pas mal de trucs qui ont été patch, c'est cool, et malheureusement, il y a une coquille qui est passée. Bah, je vais lire vite fait. Ils ont pas fait gaffe et. Putain, c'est compliqué de boire en conduisant. Je comprends pourquoi c'est interdit. Et en fait, il y a une petite coquille qui est passée au niveau des plaques. Alors, je sais pas d'où ça vient ou qu'est-ce qu'ils ont modifié. Mais bon, ça a touché la préfecture, malheureusement. C'est quoi la touche pour parler ? Moi, c'est Windows, couscous. Touche Windows. Et après... Hop là. Le collègue, il donne plus la route. Tu donnes plus la route, du coup ? Bah si, on peut retourner sur... Ah vas-y, bah limite ça m'arrange parce que je pensais que... Voilà, à droite, là, pour changer un petit peu. Vas-y. Ah, un petit CSI là. À droite ? À droite, ouais. Vas-y. Là, on va en voir beaucoup, ils ont eu leur CSI il y a pas longtemps. Donc pour encore une fois, suite à un contrôle partiel sur une personne du nom de Monsieur Timber, j'ai retrouvé une appuie sur lui. Oh, pas mal. Et du coup, son véhicule est rempli de drogue, donc pour trafic de drogue. Petit trafic de drogue, mesdames et messieurs. Ce sera de retour très très difficile. On est surchargé, donc je vais vous laisser ouais, prendre le contrôle. Bon, on le fait. Merci beaucoup. En avant, les petites fermes. Moi, j'ai toujours pas trouvé de mec avec de la drogue, d'ailleurs, pour info. Ah oui, il y en a tout le temps. Faut réussir à les taper aussi. Ouais. Bon, à ce qui paraît, on a peur d'aller dans les fermes. Du coup, moi, j'y vais pas. Mais... Bah, en soi, t'as pas vraiment d'intérêt à aller dans les fermes, tu vois, vu que tu sais pas. Enfin, pourquoi moi, tirer. J'ai été demandé s'ils vendaient de la viande et on m'a menacé avec une arme. Donc. Ouais, mais en soi, qu'est-ce que tu veux aller dans une ferme, sachant que s'il y avait pas de marqueur ou si tu ne le saurais pas, tu aurais pas été. L'idée, après, c'est. On peut emprunter des chemins aussi, quoi. J'ai déjà emprunté un chemin, je suis arrivé dans une ferme, quoi. Et j'ai fait demi-tour. Mais j'ai vu une ferme, du coup, j'ai vu des fermiers et ils m'ont demandé s'ils vendaient de la viande, quoi. Et du coup ? Là, on peut aller vers la gauche, ouais. On va retourner après sur un petit coup. Du coup, ils vendent pas de viande, j'imagine ? Non, ils vendaient pas de viande, ils m'ont dit que de partir, donc je pense que non. On va comme ça. Moi, j'étais tout seul, j'ai rien tenté, hein, mais ils commençaient à parler de. Ah ! Ils me disent, on fait pas du. Oula, les pompiers sauvent les pompiers. Non, les ambus sauvent les pompiers. Ouais. Ah, c'est un VSAV qui a claqué ? Ouais. Et les pompiers ont. Enfin, les ambulanciers sauvent les pompiers. J'ai raté ça, les gars. J'ai raté. Non mais. Et il y a un brancard ici, abandonné. Où ça ? Là à droite, il y a un brancard avec un policier à côté. Devant nous ? Ah, à droite, sur le côté, dans la forêt, il y avait ça. Ah, ok, j'ai pas fait gaffe quand je suis passé. Sinon, on l'aurait mis en fourrière s'il était là abandonné. Tu sais, peut-être une explosion. Bazar a explosé, ça claquait, et puis du coup, il a fait le tour. Petit aéroport. D'ailleurs, il n'y a plus du tout d'intérêt à faire des courses-poursuites à l'aéroport vu que maintenant il y a des grandes lignes droites absolument partout. Ce genre de truc qui est assez sympathique, je trouve. Et là, on va où ? Là, à gauche. On va retourner sur. Faire un petit tour sur Vanderbilt, Lexa et tout ça. Vas-y. Jusqu'à un de CRS. Allez, hop, voilà. Il dit pas CRS2 et du coup, il nous met. C'est normal que maintenant, quand on vérifie la plaque d'immatriculation, on a un véhicule. Ouais, j'aurais pu l'a dit ça.
Affirmatif, ce sera réglé dans les prochains jours. Ah, c'est pour ça qu'ils... Non, mais je sais pourquoi ça a fait ça. Parce qu'ils ont touché, entre guillemets, ils se sont trompés, ils ont touché, en gros, si les véhicules des plaqués, on voyait leur nom, en fait, dessus. C'était l'inverse. Les véhicules des plaqués, on voyait le nom des propriétaires. Ouais. Et du coup, ils ont, à mon avis, ils ont touché au niveau des plaques normales. Et du coup, ça a du cookie là-dessus, ouais. C'est sûr, c'est ça. Oscar, on est actuellement sur un je pense aussi. Près de l'aéroport, je vous laisse prendre un véhicule et nous rejoindre. Ah, ils ont réparé l'Interpol, ça y est. Ouais, Interpol, il est réparé. Ça c'était dans la mage, ça. QGCQ sur le côté. C'est quoi, on va reprendre le pont et redescendre sur Union, tu me guides jusque là-bas? Ouais, on va aller jusqu'où? Jusqu'au pont de... Bah, tu sais, on prend l'autoroute. Enfin, non, pas le pont, excuse-moi, ouais. L'autoroute. Donc, on va faire ça. Ouais. Tu sais quoi, je vais faire à droite, je vais aller jusqu'à la mosquée et après je vais redescendre, ça marche? Ouais, et après on ira vers l'Excel tout ça. Vas-y. Ouais. Allez, go, mesdames et messieurs. Bon, moi perso, je commence à fatiguer les mecs. Oh. Putain, la fatigue. La fatigue de la fatigue. Ouais, bon, bah, du coup. Alors, parce que j'ai regardé l'heure, en fait, je sais pourquoi je suis fatigué. C'est bien, au moins ils ont réglé l'interface. Parce que j'avais dit que je couperais il y a une heure et en fait, c'est plus une heure. C'est passé vite quand même. Et quel changement? La mage du soir là. Tire à lire le forum. C'est plus simple. Ah, c'est la personne qui l'a mis? Ouais. Ouais, bah en fait, t'as tout expliqué sur le forum et c'est pour pas que je me répète sans arrêt à chaque fois. Ah, c'est Jean-Yves qui a fait ça du coup. Faut lire. Bon, on va tourner à la mosquée là-bas. En avant. Pour ça que c'est important d'aller lire le fofo, comme ça vous avez toutes les news, vous savez tout, vous lisez, et après... Et après, emballer, c'est peser, vous voyez, c'est plus simple. Puis après, on me dit que je me répète sans arrêt, donc comme ça, j'ai pas à me répéter. Hop là! Et c'est parti! On va aller jusqu'à Union, on va voir un petit peu ce qui se passe. S'il y a des accidents, on va aller les aider, bien évidemment. Ah, et là, il y a le bug au niveau du message admin. J'ai pas eu le temps de screenshot, tant pis. Sinon, il y aura check. Pour tous ceux qui ont des soucis admin, forum les mecs. Fofo. Parce que vous doutez bien que je vais pas me garer sur le côté, me téléporter sur vous. Regardez ce qui se passe, aller sur le dédié ou autre. Je joue comme vous en fait. Après la ville de droite, là, ce sera la prochaine. Au niveau de la station service. Vas-y. Station service à droite? Ouais. Ok. Comme ça, on va aller sur Lakeside. Vers Lakeside, ouais. Vas-y. Bah, je pense que je ferai ma fin de service sur Lakeside, moi, du coup. Allez, pas de souci. Alors, droite. Hop là. Niveau de spé du coup. De quoi? Niveau de spé. Ouais, s'il y a commissariat à l'Excite, si c'est le spé, ouais, je m'arrêterai là-bas. Ouais. Parfait. Okay. Du coup, tu verras avec Viper quand on y sera ce que tu fais, ou avec Oscar si Volter bascule ailleurs. Ouais, on sait plus. Et à voir sinon si une patrouille peut venir te rechercher. Ok, là on est bon. C'est cet arbre-là qui est au milieu de la route à droite là. Ah, le petit? Ouais, le petit là, il est sur la route. Okay. À la moitié, en fait, on se le paye tout le temps. Ça marche. Ah bah lui il nous fait un eau froide lui devant là. À gauche là? Là il nous fait un eau froide. Ouais, lui il a fait un eau froide. Écoute. Ah ouais, en effet au niveau des... Au niveau des pneus. Bon, on va dire qu'on va lui laisser... La chance. Peut-être que du coup il va se dire merde la police. Putain, il m'arrête pas. Et du coup il va se dire la révélation. Il va se dire j'ai une chance. Ou alors il va se dire la police n'arrête plus pour les off-road. Ouais, peut-être. Bah écoute, il se dira ce qu'il veut, c'est pas grave. Hein. Prochaine fois qu'il se fera choper, et il pourra pas dire qu'il savait pas. Allez hop. Petite sirocco des familles. Je trouve ça bien quand même pour la vitesse en véhicule parce qu'il y avait. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'abus. Bah ouais, bah les mecs ils faisaient que haut en fait. Dès qu'ils croisaient une voiture, ils faisaient haut. On l'entendait, hein, c'était marrant. Enfin, moi ça me faisait rigoler. Mais bon, et du coup, c'est le truc chiant parce qu'en choix. Ce qui bon. Est bien, c'est que les jumelles elles servent à rien et maintenant elles servent à quelque chose. Enfin, les jumelles elles servaient déjà avant, mais là il y a juste l'intérêt, ouais, bon, c'est que si tu veux faire de la vitesse. Ouais. La vitesse c'était juste. Enfin, les jumelles à la limite pour ERI parce que c'est pas la sécu publique qui s'arrêtait pour faire un flash radar. Quoi. Bah non, vu qu'en fait ça faisait partie des petites missions cool de RI. Et c'est pour ça que t'as que la plaque de dispo. Ouais, mais maintenant ce que je trouve c'est qu'il y a beaucoup de sécu publics qui font des flash radars maintenant avec les jumelles du coup. Yep, yep. Petit Lakeside Valley des familles. Le petit panneau, The Programmer. Très joli, première fois que je le vois d'ailleurs. Cette semaine ici. J'ai pas fait gaffe. Ouais, Lakeside elle est trop jolie, Lakeside. Gros braquage. Tourner à droite. Lakeside, c'est ma ville préférée.
Elle est trop trop belle. Et ce qui est bien, c'est que c'est une deux fois deux voies en ville. Donc ça donne la possibilité de faire des trucs de fou en fait in-game. T'es pas limité par la place, vu que t'as la blinde de place. Donc tu peux faire vraiment du... Ouais. Limite en CRS, tu peux contrôler sur une voie entière en fait. Ouais, ouais. Mais ce qui est dommage, c'est que les gens ils pensent que c'est 180 ici. Bah écoute. Pourtant, je trouve qu'on voit bien que c'est en ville. Hein. Ouais, 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 c'est pour ça. Mais il joue sur les mots en fait, donc bon. Oh, parfait. Bah en fait, il y a pas moyen de jouer sur les mots vu que c'est en ville. Bah après c'est pas grave, tu flash et puis c'est tout. Top. Nous avons réussi à rentrer. À noter qu'on n'a pas fait d'accident et qu'on n'a pas explosé. Ça c'est pas mal. À quoi le nouveau DLC Far Cry ? Le basseux demain. Demain. Bah du coup, mesdames et messieurs, on va faire une fin de service ici. Du coup, on va rentrer le véhicule. Du coup, YouTube, petite fin de service des familles, j'espère qu'il vous a plu. Bon, j'étais un peu fatigué ce soir suite à la musculation, mais c'était fort sympathique et ça m'a permis de tester un petit peu CRS, vu que ça faisait un moment que j'avais pas game en CRS. Alors, le but de... Oula, un peu mis le van là-dedans. Le but de CRS, on va dire, il y a les contrôles fixes. C'est ce qu'a fait, Viper. Mais en soi... On peut largement faire autre chose et vous n'êtes pas obligé de juste vous concentrer sur du contrôle. Vous voyez, c'est le côté sympa. T'inquiète, le mur a rien du tout. Du coup, mesdames et messieurs, nous on cesse là-dessus. Fin d'épisode, j'espère que ça vous a plu. Pensez à liker l'épisode, à vous abonner. On est avec Ricardo, qui était jeune policier, qui a pu game en CRS. Je te laisse voir avec Oscar, ça marche ? Ah, pas de soucis. Bah, vous annoncez une fin de service ou pas ? Parfait, bah, je te laisse le faire. Fais-moi rêver. Du coup, vous prenez votre fin de service en CRS aussi, du coup ? Et je vais fin de service, je rentre chez moi, je vais m'occuper de mes petites filles. Ah, pas de soucis. Vas-y. Ah, du coup, c'est une fin de service de CRS 1, donc composée de gardien AP Retrov et du. Bon, pendant qu'il fait la radio, bisous! Une remise en service. Si vous voulez d'autres de patrouille en CRS, vous savez quoi faire. Allez, bisous!